Hallelujah. Amen, 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 amen. Je rends grâce au Seigneur ce soir, car sa gloire remplit ce temple. Je ne sais pas s'il y a des jeunes gens qui sentent la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Dieu prévoit ce soir de grandes choses pour nos vies. Alors, je souhaite la bienvenue à toute la jeunesse de Bethel, à nos invités, à la jeunesse aussi de l'église Ciel. Merci pour votre présence et aux autres églises qui sont ici présentes. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce puissant programme de la jeunesse de Bethel. Alléluia. Nous avons convoqué le Seigneur depuis 2 à 3 mois. Nous étions en train de préparer ces temps. Le jour J est arrivé et le Seigneur est au rendez-vous. Je vous assure. Alléluia. Alors nous allons continuer notre programme. Comme nous l'avons eu à le dire, c'est le pasteur DJ Malou qui va prêcher ce soir, qui va apporter la parole. C'est un homme que nous aimons beaucoup, un jeune homme, c'est mon petit frère, avec qui nous avons été baptisés ici même, dans cette église. Le même jour, nous avons grandi ensemble. Et aujourd'hui, je suis fier qu'il soit pasteur. Je suis vraiment fier. Je me rappelle le jour où nous avons été baptisés, parce que nous avons suivi les mêmes cours de base, ici même, à Bethel, en décembre 2012. Je vous assure, c'est une grande joie qui m'anime ce soir de voir ce jeune homme qui, pendant 4 ans, a accepté de suivre les cours. Je suis vraiment ému. Je m'excuse pour vraiment. Amen. Alléluia. 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 Ton amen est encore timide. Alléluia. Il est encore timide. Il est encore timide. Tu peux faire mieux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir Dieu d'abord pour la grâce qu'il me fait de me tenir debout en cette soirée. Parce que la Bible dit, tout n'est que grâce. Je bénis Dieu pour cette grâce. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de mon papa, l'homme de Dieu, le pasteur Félix, la vie de sa femme, la vie des diacres, des anciens, et la vie du responsable, le diacre Alvin, chargé de la jeunesse. Et bénis Dieu aussi pour mon frère, mon grand frère, le président, et son bureau aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Jeunes gens, nous sommes. Jeunes gens, nous sommes. Le thème qui m'a été donné ce soir, c'est être jeune, se maintenir fort et vivre pour Dieu. Mais le sous-thème que je voudrais aborder en cette soirée, c'est les 5 vêtements de Joseph. Les 5 vêtements de Joseph. Alléluia. Que quelqu'un dise les 5 vêtements de Joseph. Alléluia. Verset de base. Genèse 30, le verset 22 à 24. Genèse chapitre 30, le verset 22 à 24. Genèse 30. Genèse 30, le verset 22 à 24, la Bible dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute encore un fils.
que l'Éternel m'ajoute encore. Le chiffre 5 est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre. C'est le nombre de la grâce divine. Le chiffre 5 est caractérisé par l'homme parfait. Débarrassé du côté animal. Selon la Bible, il est symbole de l'homme de Dieu par ces quatre plaies que Christ a vécu à Golgotha. Nous voyons que Christ a eu cinq plaies à Golgotha. On a percé ses mains, ses deux mains, ses pieds. Il y avait du sang au niveau de son front. Et on a percé sa côte. Le chiffre 5 se retrouve également dans le corps humain. Les cinq doigts de la main, des pieds et les cinq sens. Il y a sept dispensations. La dispensation de l'innocence, de la conscience, du gouvernance, de la promesse, de la loi, de la grâce et du royaume. Mais j'aimerais m'apesantir sur le cinquième, la dispensation de la loi. Et c'est pour cela que nous parlons du Torah ou bien du Pentateuch. Il y a cinq livres. Et bizarrement, Aaron et ses quatre fils étaient des sacrificateurs. Pour dire que le numéro 5 ou le chiffre 5, c'est le chiffre de l'harmonie. La Bible nous dit dans notre passage de base que Dieu se souvint de Rachel. Et Dieu permit à Rachel d'enfanter un fils. Si nous voyons le contexte, Rachel n'arrivait pas à enfanter. Au contraire, c'est sa grande sœur, l'aînée, Léa, qui a enfanté plusieurs fois des fils et des filles. Mais Rachel était stérile. Et Dieu a permis sa stérilité. Elle a vécu avec cette adversité de jour en jour. Elle déprimait. Mais j'aime quand la Bible dit Dieu se souvint de Rachel. Je prie, ma prière ce soir, c'est que Dieu se souvint de quelqu'un, de quelqu'un. Malgré l'adversité qui sévit ta vie, que Dieu se souvint de toi. La Bible dit Dieu ôta son opprobre. Que Dieu ôte l'opprobre de quelqu'un, de quelqu'une, dans le nom de Jésus. Elle enfanta un fils. Elle donna à son fils le nom de Jacob, disant que Dieu m'ajoute. Sa foi, c'était que Dieu a enlevé ma stérilité. Le Dieu qui l'a fait est capable de me redonner encore des fils et des filles. Joseph est le 11e fils de Jacob. Et Jacob aimait Joseph plus que les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et Joseph est né de la femme que Jacob aimait aussi le plus. Joseph veut dire en hébreu, Yosab. Et une forme du verbe yassab, qui veut dire ajouter, augmenter. En d'autres termes, Dieu a ajouté. C'est ce que le nom de Joseph signifie. L'expression de la foi de sa mère, c'est que Dieu l'ajoute. Ah, je prie ce soir que l'expression de ton cœur monte vers Dieu, afin que Dieu puisse agréer
La prière que tu feras en ce lieu. Les 5 vêtements de Joseph. Le premier vêtement, le vêtement de famille. Le vêtement de famille. Dans Genèse 37, le verset 2 à 3 et le verset 23. Genèse 37, le verset 2 à 3 et le verset 23. La Bible dit, voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il le fit une tunique de plusieurs couleurs. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. La Bible nous dit que Joseph était aimé de son père. Son père lui a confectionné une tunique pour Joseph. Le vêtement de famille. Le père a confectionné une tunique pour Joseph. Le mot Toléda. Le mot Toléda veut dire descendance. Génération. Et aussi, cours de l'histoire. Le père de Joseph a confectionné une tunique qui est en rapport avec la famille de Joseph. La famille dont il est issu. Et tant que Joseph portait ce vêtement, il sera toujours lié avec sa famille. Ce vêtement, c'est un vêtement de pauvreté. C'est un vêtement de sorcellerie. C'est un vêtement de mort. C'est un vêtement de non-accomplissement. C'est un vêtement d'échec. C'est un vêtement de célibat. Tu remarques, dans ta famille, personne n'avance. Vous avez tout fait, vous avez les diplômes, mais personne n'avance. C'est un vêtement de famille qui sévit la vie de ta famille. Et ça a duré de génération en génération, même en tant que chrétien. Ce vêtement te poursuit toujours. Tu remarques que tu vis toujours les mêmes choses que tes parents ont vécues. J'aimerais te dire ce soir, c'est un vêtement de famille que tu portes. Alléluia. C'est un vêtement de famille. C'est un vêtement de famille. Tant que Joseph portait ce vêtement, il sera toujours lié avec sa famille. Tant que tu portes ce vêtement, tu seras toujours lié avec ta famille. La Bible nous dit dans Genèse 12, le verset 1, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille. Quitte la maison de ton père. Mais Dieu, pourquoi tu dis à Abraham, quitte ta famille? Parce que Dieu savait qu'il y avait un vêtement de famille qui sévissait la vie d'Abraham. Et si Abraham était toujours resté au sein de sa famille, il n'allait jamais recevoir la promesse ou bien accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Parce que ce vêtement devait le bloquer. Et plusieurs sont bloqués dans leur destinée à cause de ce vêtement. Dieu lui dit, quitte. En d'autres termes, dépouille-toi de ce vêtement de famille afin que tu puisses rentrer totalement dans ce que moi, Dieu, j'ai dit dans ta vie. Abraham a quitté et nous voyons la suite. Il a quitté. Dieu veut que nous puissions quitter ou bien nous puissions nous dépouiller de ce vêtement. La Bible dit dans le verset 23, les frères de Joseph l'ont dépouillé de ce vêtement. Ah, je prie que Dieu puisse dépouiller le vêtement de famille dans ta vie. Qu'il te dépouille de ce vêtement. Ah, ton amen n'est pas encore bon. Ah,
que Dieu puisse te dépouiller du vêtement de famille. Que tout ce qui te lie avec ta famille, que ces choses tombent. Que Dieu puisse éradiquer la chose là, dans le nom de Jésus. C'est une forme d'adversité qui a duré de génération en génération. Mais ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de la jeunesse que nous sommes. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. La Bible dit dans Psaume 51, le verset 7. C'est le psalmiste David qui dit. Il dit, voici je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David pouvait dire en d'autres termes, j'ai le vêtement là de famille dans ma vie. Et tout ce que je fais, ce vêtement me poursuit. Je n'ai pas mérité ce vêtement. Je n'ai pas posé des actes qui font que ce vêtement se colle à moi. Mais c'est ce que ma mère a fait. Ces choses me suivent. Ce que mon père a fait, cela me suit. Ce que mes grands-parents avaient fait, cela me suit. Et ce soir, Dieu veut dépouiller la jeunesse de ce vêtement de famille. La Bible nous dit dans Genèse 37, le verset 31 à 32. Les frères de Joseph ont tué même un bouc. Ils ont versé le sang du bouc sur la tunique de Joseph. Ils ont montré cela à leur père. Et cette tunique et le sang identifiaient que Joseph était bel et bien mort. Et bizarrement, le bouc dans le livre de Luc symbolise le sacrifice, symbolise le serviteur Christ. Alléluia. Il symbolise le sacrifice et le serviteur qui est Christ. En d'autres termes, quand les frères de Joseph l'ont dépouillé de ses vêtements, il fallait que le bouc puisse être mort et que son sang puisse être versé sur la tunique afin que tout ce qui avait rapport avec Joseph puisse mourir. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu puisse te dépouiller de ce vêtement de famille, mais au-delà de te dépouiller, que tout ce qui était mort revive. La Bible dit que la vie est dans le sang. Pendant que le bouc, on le tuait pour mettre le sang sur la tunique de Joseph, il y avait un changement, un transfert était en train de se faire. Joseph devait mourir, mais le bouc a pris la place de Joseph. Ah, je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième vêtement, le vêtement d'esclave. Genèse 39, le verset 12 à 19. Genèse 39, le verset 12 à 19. Le vêtement d'esclave. Genèse 39, le verset 12 à 19. La Bible dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors.
Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari entrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Le vêtement d'esclave. Joseph est vendu en Égypte comme esclave à l'âge de 17 ans. Un jeune homme comme nous. Jeune homme, nous sommes forts. Mais il est arrivé que Potiphar le prenne. Et Potiphar commence à s'occuper de Joseph. Joseph est en train de grimper les paliers. Il quitte sa situation d'esclave, le plus bas de l'échelle, pour arriver à être intendant dans la maison de Potiphar. Il voit que sa situation est en train de changer. Mais quelque temps après, quelque chose survient. La femme de Potiphar avait les yeux sur Joseph. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Parce que tu vois ce que mon mari a, ça m'appartient. Il suffit seulement que tu couches avec moi et ces choses te seront dues. Et Joseph dit non. Elle insiste. Tu ne vois pas les biens que mon mari a. Il suffit seulement que tu poses un acte. Tout cela te revient. Ça me rappelle l'histoire de Jésus dans le désert. Dans Matthieu 4, le verset 2 à 3 et le verset 8 à 9. La Bible nous dit Jésus eut faim. Et le tentateur est venu pour le tenter en lui disant, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui rétorque en lui disant, il est écrit que tu ne tenteras point ton Dieu. Et le diable le transporta dans les hauteurs. Il dit, tu vois tous ces royaumes, ils m'ont été donnés. Prosterne-toi devant moi et je te le donne. Jésus rétorque en lui disant, tu n'adoreras que Dieu et lui seul. Par là, je veux dire quelque chose. Le diable, chaque fois que le diable te tente, il te tente en te montrant la photocopie de l'original. Il te montre la photocopie de l'original. La femme de Potiphar dit à Joseph, couche avec moi et je te donnerai les biens. Mais Joseph savait que l'original, la femme cache l'original. Tel Jésus savait que Satan cachait l'original. L'original, c'est que tout ce que Satan voulait que Jésus fasse, afin de lui donner toutes les richesses de ce monde. L'original, c'est que Jésus a le règne sur ses richesses. L'original, c'est que tu dois gouverner. L'original, c'est que tu dois percer. L'original, c'est que Dieu veut t'établir. C'est ce que Joseph a compris. Il dit, niet, je ne le ferai pas. Il dit, quitte même que je laisse mon vêtement. Joseph a laissé son vêtement d'esclave. L'esclave est un état de dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. Je ne sais pas tu dépends de quoi ou de quelqu'un. Mais ce que Dieu veut faire ce soir, c'est ôter le vêtement d'esclave dans ta vie. Joseph ne pouvait pas sortir, quitter un lieu avec le même vêtement. Il a été dépouillé de son vêtement d'esclave.
Mais ce que la femme de Potiphar ne savait pas, c'est que Joseph ne pouvait pas quitter un lieu pour un autre avec le même vêtement. Ah, je t'annonce une chose. Tu ne peux quitter ce lieu et partir quelque part avec le même vêtement. C'est ce que Dieu envisage de faire ce soir dans ta vie. La Bible dit dans Exode 21, le verset 2. La Bible dit, Exode 21, le verset 2. La Bible dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Il dit, c'est une loi que Dieu a établie pour son peuple. Il dit, si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans. La 7e année, il sortira libre. Ce qui est bizarre dans ce passage, c'est que nous sommes au 7e mois. Au 7e mois, Dieu dit, il sortira libre et sans rien payer. Ah, je t'annonce que tu ne vas rien payer et tu sortiras libre. Je ne sais pas l'adversité qui était là pour te combattre, ce vêtement d'esclave. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me dit que nous allons sortir libre sans rien payer. Parce que lui, il a payé notre dette. Il a payé la dette de toi et de moi à Golgotha. Et il nous dit, nous sortirons libres. C'est pourquoi Joseph a été dépouillé de son vêtement d'esclave. Que Dieu enlève ce vêtement d'esclave dans ta vie, dans le nom de Jésus. Troisième vêtement, le vêtement de prisonnier. Le vêtement de prisonnier. Genèse 39, le verset 20. Genèse 39, le verset 20. Le vêtement de prisonnier. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Joseph a été dépouillé de son vêtement de famille. Il a été dépouillé de son vêtement d'esclave. Et le voilà en prison. Et les prisonniers du roi avaient des vêtements qui identifiaient qu'ils étaient des prisonniers. Peut-être c'est ton cas. Il a été mis en prison. Peut-être en prison, il pouvait se dire, mon espoir est fini. Je pensais que j'allais prospérer, j'allais entrer dans ce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Mais voilà que les choses étaient en train d'aller jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Peut-être il pouvait réfléchir comme toi et moi. Parfois ça nous arrive de réfléchir de la sorte. Mais il n'a point capitulé. Il a gardé les yeux fixés sur Jésus. Toujours sur Jésus. La prison, le vêtement de prisonnier, c'est un vêtement qui t'empêche d'avancer. Tu as 4 ans, 5 ans dans la foi, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Mais tu vois ta vie tourne autour de toi. Tu n'avances pas, tu vas, mais tu reviens toujours. Tu tournes autour. On t'a mis dans un cachot qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche que tu puisses jouir de tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ce vêtement a longtemps duré dans ta vie. Le vêtement de prisonnier. Ce vêtement fait que tout ce que Dieu t'a prédestiné, tu ne peux pas entrer dans ta destinée à cause du vêtement de prisonnier. Dans tous les domaines de ta vie, rien ne marche.
rien ne marche. Tu vas ça et là, mais rien ne marche. Tu t'efforces, tu te bats et tu sais que tu te bats. Mais tu vois toujours qu'il y a des blocages. C'est un vêtement de prisonnier, un vêtement de captivité. Et Joseph a vécu ce vêtement, a porté ce vêtement. Ce vêtement a trop duré dans sa vie. Et ce que je peux te dire ce soir, c'est que tu ne peux quitter cet endroit avec le même vêtement. Tu ne peux quitter à l'instar de Joseph. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Jésus a dépouillé tout à la croix de Golgotha. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions tous des prisonniers. Mais Jésus a effacé les actes dont ces ordonnances nous condamnaient. La Bible dit, il les a cloués à la croix de Golgotha en triomphant d'eux. Jésus a triomphé pour toi et pour moi, afin que ce vêtement de prisonnier puisse tomber. Jésus l'a fait. La Bible dit dans Galates 3, le verset 27. Galates 3, le verset 27. Dans la version Parole de vie. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ. Et vous êtes devenus semblables à lui. Il dit, nous avons été baptisés avec Christ. Et nous sommes semblables à lui. Ça veut dire que nous sommes semblables à lui. Ce qui traduit en d'autres termes, nous sommes participants. Si Christ a pu ôter ce vêtement d'esclave, dans ce vêtement d'esclave, ce vêtement de prisonnier dans sa vie, afin que nous puissions avoir la liberté, nous sommes capables aussi de le faire dans la vie de nos familles. À cause de toi, ta famille peut être libérée de ce vêtement de prisonnier. Parce que la Bible dit, nous sommes semblables à Christ. Nous sommes semblables à Christ. Parce que nous sommes passés par les eaux du baptême. Que Christ le fasse. Qu'il ôte le vêtement de prisonnier dans nos vies. Et qu'il nous utilise aussi à ôter ce vêtement dans la vie de nos familles. Dans le nom de Jésus. Quatrième vêtement. Le vêtement de restauration ou de renouvellement. Genèse 41, le verset 14. Genèse 41, le verset 14. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon a eu un songe qu'il ne comprenait pas. Et tous les hommes forts de son pays ont tout fait, mais personne n'a pu dire à Pharaon l'interprétation de son songe.
Et il est arrivé l'extension du roi qui était enfermé avec Joseph. Otan avait eu un songe et Joseph a pu interpréter le songe de l'extension. Et quand c'était le temps pour qu'on puisse le libérer, Joseph lui dit, si tu pars, plaide à ma faveur. Et 2 ans se sont écoulés. Pharaon eut un songe. Et l'extension se rappela que non, il y a un homme, il est en prison. Il est capable, il a l'esprit de Dieu en lui. Il est capable d'interpréter le songe de Pharaon. Et il se souvint de Joseph. Il parla de cela à Pharaon. Pharaon dit, appelez-le. Avant qu'il ne puisse rencontrer Pharaon, Joseph devait recevoir la restauration, le renouvellement, le vêtement de restauration, de renouvellement. Avant que tu ne puisses recevoir la victoire, Dieu te restaure. Dieu te restaure avant la victoire. Joseph a reçu le vêtement de restauration. Il se rasa. On a changé les vêtements de Joseph. Parce qu'il devait voir une autorité. Et ce n'était pas n'importe quel homme. Joseph commença à rentrer dans sa destinée. Le vêtement de restauration t'amène dans ta destinée. Le vêtement de restauration t'introduit dans ta destinée. Tout ce que tu avais perdu à cause de ces vêtements, le vêtement de restauration va te redonner tout ce que tu as perdu. Alléluia. La Bible dit dans Job 22, le verset 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Dieu parle, il dit, tu seras rétabli. La condition, si tu reviens au Dieu, à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, c'est la condition pour être rétabli dans la position que tu étais, dans ta position initiale. La condition, c'est revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu et t'éloigner de tout ce qui t'avait empêché d'être près de Dieu. C'est en cela que nous allons recevoir le rétablissement. Alléluia. Psaume 23, le verset 3, la Bible dit, Psaume 23, le verset 3, il dit, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand Dieu te restaure, il restaure ton âme. Parce qu'il sait que les vêtements que tu as pu porter, le diable a tellement affecté ton âme que Dieu ne peut que restaurer d'abord ton âme. Il restaure ton âme. Il te donne un âme qui lui est agréable. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir dans nos vies. Restaurer nos âmes. Job 42, le verset. Job 42, le verset 10 à 13. Job 42, le verset 10 à 13. La Bible dit, l'Éternel le rétablit dans son premier état. Quand il eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce qu'il avait possédé. Que le vêtement de restauration descende dans ta vie. Que Dieu puisse te restaurer dans ton premier état que tu avais perdu à cause des circonstances de la vie. Que Dieu te redonne le double de ce que tu avais à l'instar de Job. Dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Le cinquième vêtement. Le vêtement de gloire. Ou le vêtement de victoire. Le vêtement de victoire. Genèse 41, le verset 41 à 42. Le vêtement de victoire.
La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main. Il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou, le vêtement de victoire. Le vêtement de victoire. C'est le succès dans le combat. Dans le combat, dans une bataille, dans une guerre, Dieu donne toujours la victoire. Et la victoire ne se donne pas, ça s'arrache. Joseph a arraché sa victoire. Personne ne lui a donné sa victoire. Il a arraché ça. On a dit à quelqu'un, la victoire s'arrache, ça ne se donne pas. Il faut poser des actes pour recevoir la victoire. Et c'est ce que Joseph a fait. La victoire est un état d'esprit. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Avant que Dieu te donne la victoire sur autre chose, il te donne d'abord la victoire sur toi. Il te donne d'abord la victoire sur toi-même. Après, il te donne la victoire sur les autres. Afin que Dieu ne puisse donner la victoire à Joseph sur l'Égypte, il a d'abord donné la victoire sur lui-même en travaillant son intérieur. En travaillant son intérieur. Jusqu'à ce que Joseph a eu la victoire dans son être, dans son intérieur. Dieu lui donne la victoire à l'extérieur. Et c'est ce que Dieu fait. Ce vêtement de victoire, personne ne peut t'ôter ce vêtement. C'est un vêtement qui t'est dû. Dans Esther 8, le verset 2 et le verset 15, la Bible dit, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman. Il le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Le verset 15. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de buissu et de poutre. La ville de Suse poussait des cris et de réjouissance. Dans ce contexte, nous voyons que Aman voulait exterminer le peuple juif. Était un ennemi farouche des peuples juifs et surtout de Mardoché. Il a planifié afin que Mardoché puisse tomber, puisse mourir avec son peuple. Mais ce qui est bizarre, c'est que le plan que Aman a mis sur place, Dieu l'a retourné contre lui. Et plus Dieu a donné l'autorité qu'Aman détenait à un autre, Mardoché. Cela veut nous dire que l'adversaire qu'on est en train de combattre, Dieu nous donnera son poste. Parce qu'il occupe un poste stratégique. Et lui, il te combat parce qu'il sait que Dieu a dit que tu vas occuper le poste à sa place. Et raison pour laquelle il te combat. Pourquoi il ne combat pas les autres? Pourquoi c'est moi? Parce qu'il sait que tu es l'ennemi premier. C'est toi qui peux le déloger de son poste et de t'asseoir là. Raison pour laquelle il te combat. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce que Dieu a dit dans ta vie, la chose va se réaliser. Il n'y a pas un adversaire qui est capable de freiner l'œuvre de Dieu dans ta vie. De freiner la parole de Dieu pour ta vie. On a enlevé l'autorité qu'Aman détenait pour donner à Mardoché. Il n'a pas cherché ça.
Mais cela lui est dû. Et la ville de Suse poussait des cris de réjouissance parce que Mardochée a eu la victoire. Et tout le monde savait que la victoire lui était acquise. Jean 1, le verset 5 à 4. Jean 5, le verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Nous passons par des moments difficiles où l'adversaire est là, l'adversaire est tenace, il ne veut pas partir. Nous avons jeûné, prié, mais il dit il ne part pas. Nous avons prié, nous avons tout fait, il dit il ne part pas. Ce qui nous permettra de triompher de cet adversaire, c'est la voix. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi. En se disant, même si c'est difficile, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Joseph disait ces paroles, même si c'est difficile, je sais que le Dieu que je sers, le Dieu de la promesse, qui m'a fait des promesses, qui m'a dit que je serai un tel, il est capable de se lever le dernier jour. Et j'ai la foi qui se lève, qui se lèvera. Les obstacles sont pour nous des moyens pour éprouver notre foi, de révéler notre potentiel et surtout des tremplins pour nous conduire vers la victoire. Il faut voir dans chaque adversité ou adversité l'opportunité pour que Dieu t'élève. Les adversités sont des opportunités et nous devons savoir que là, c'est une opportunité et je dois la saisir. L'adversité nous permet d'apprécier l'onction de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que sans adversité, tu ne peux pas apprécier l'onction de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. C'est le contraire de la chose qui lui donne la valeur. La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi l'Éternel. Je fais toutes ces choses. C'est le contraire de la chose qui lui donne la valeur. Dieu dit, je crée la lumière et je donne les ténèbres. Les deux choses sont opposées. Il dit, je donne la prospérité, en même temps je crée l'adversité. Ça veut dire que pour que tu puisses entrer dans la prospérité, il faut que l'adversité vienne. C'est l'adversité qui déclenche la prospérité dans ta vie. C'est ce que Dieu veut nous dire. Lorsque tu n'as pas d'adversaire, ton succès est inconnu. Ton succès est inconnu. Mais lorsque tu as des adversaires, ton succès sera connu et vu de tous. À l'instar de Joseph, son succès était vu et connu de tous. Parce que tout le monde a vu l'adversité qu'a vécu Joseph. Et tout le monde aussi était en train d'apprécier, de voir la victoire dont Joseph était en train de jouir. Et ce soir, Dieu veut te faire jouir de cette victoire, afin que cette victoire puisse être connue de tous.